Salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour la suite de notre Let's Play sur XCOM. On est actuellement dans un début de partie plutôt correct, d'après mes souvenirs. Ici, les événements à venir, il y a l'autopsie d'insectoïdes. Ensuite, je vais construire un ascenseur parce que dans mes installations, j'ai envie de construire des terminaux de liaison ici. On va utiliser ces 4 là. Et puis pour le générateur, on va utiliser ces 4 ici. Donc, moi j'ai besoin pour construire mes labos de cybernétique, etc., d'aller plus bas. Alors ça va me coûter plus cher, mais c'est pour vraiment bénéficier des bonus. Ça permettra d'optimiser. Pour le reste, il n'y a vraiment rien de nouveau là au niveau de la liste des soldats. J'ai 3 spécialistes déjà qui sont en activité. J'en ai un qui est mort et puis j'en ai un autre, notre sergent Carlitos Banana qui est actuellement blessé. Il faudra que je fasse tourner un petit peu l'effectif. J'ai pas besoin de recruter pour l'instant. Au niveau du centre de formation, j'ai acheté par contre escouade 1. Ça me permet d'avoir 5 soldats par escouade. Donc justement, le turnover sera meilleur comme ça. Alors ce qu'on va faire, on va se mettre sur la map. Et puis on va surveiller l'activité, vu que c'est notre taf. Voilà, l'autopsie c'est terminé. On va avancer quand même un peu dans l'électroflux. C'est l'acquisition satellite. Ouais. Pendant l'interception, pour améliorer immédiatement et temporairement la précision de notre unité. Très bien. Allez, électroflux, c'est parti. Ça prendra un seul jour, donc ça sera extrêmement rapide. On continue à surveiller pour faire avancer le temps. Et bah voilà. Donc je vais pouvoir en fabriquer. Les armes à rayons. Ouais, ça on va chercher. C'est assez bien. Assez plus mieux bien même. Ah voilà. Alors comment on va se la jouer au niveau de nos installations? Là ça me coûte 20, bon j'ai de l'argent. Le terminal de liaison, il me faut 10 ingénieurs hein, pour que je puisse en construire, j'en ai pas assez. Enceinte de confinement, je pourrais creuser quelque chose là. Ça c'est valable. Et si je construis un ascenseur là, c'est 50, 2 en énergie, ça va, j'ai du rab. Ok, alors on continue. D'ailleurs, là, on m'a fait des remarques. Shannon m'a demandé si on pouvait changer le nom de nos soldats. Bah oui, on peut, mais... Ouh là là, ça c'est du méchant. Donc, on le fera dès qu'ils atteignent le grade de lieutenant, en fonction de ce qui leur est arrivé, on leur trouvera un petit surnom si vous avez des propositions. Eh bah, envoyez-les, mettez-les en com. Alors, on va envoyer l'intercepteur, il est un peu plus gros, c'est un moyen. On va voir s'il va pas se faire descendre. Attaque. Allez. J'ai un peu peur pour lui là, du coup, les moyens. Cible en vue. Ah, il y a ce truc de visée là, j'y ai pas accès. Oh, il prend. Je peux annuler à tout moment. Hein. Ah, parce que j'ai pas acheté les modules. Bon, alors je peux me faire les moyens, oui, il me semblait bien dans mon souvenir, mais l'intercepteur il prend. Alors, bah, on va envoyer le Mercure. Ah, Lopez Richter, voilà, c'est vrai que l'IA donne des surnoms un peu aléatoires. Alors, il y a un nouveau venu, c'est le soldat Fofana. Oui, j'ai pas d'autres slots, là, on est bien 5. Équipement. Ah oui, j'avais oublié que je pouvais mettre un scope. Voilà, on va l'équiper. Medikit, pourquoi pas. On va le laisser avec. Il y a une attribution automatique des équipements. Comment Liu est équipé? Standard. Juste voir le snipe. Sniper, oui. Moi, j'aimerais bien qu'il ait le scope. Comment on faisait pour le mettre déjà? Ah bah voilà. Il faut faire un choix. Ensuite, le commando. Lui, ça serait bien qu'il ait quand même une armure en plus. Ok, donc lui, ça c'est bon, est-ce que je pourrais... Ouais, j'ai une seule grenade. Puis le grenadier, il a pas de grenade. C'est dommage ça. J'aime bien les grenades. Pas très finaux, mais ça peut sortir vraiment de la caque. Alors, on va lancer la mission.
Ah ouais, ça fait quand même une petite route hein, jusqu'en Chine. On va arriver la nuit. Nous avons le site en visuel. On descend. Votre prochaine opération va vous conduire en Chine. Ah, c'est en pleine ville. L'OVNI s'est écrasé dans une zone urbaine densément peuplée. Okay. Espérons qu'il n'y ait pas eu de victimes. Ouais, ça. Centrale, ici Rapace. Aucun contact hostile à proximité du site du crash. Strike One est prêt à sécuriser okay, le vaisseau. Bien reçu, Rapace. Sur un bâtiment. Allez-y, même. Strike One, essayez de vous approcher. Ok, on va longer ce mur. Allez, Richter, jusque là. Voilà, ça commence bien. Alors là, est-ce qu'il pourrait me prendre à revers? Pas trop. Alors il peut tirer, on va juste se positionner avec les autres. Snipe, où es-tu? Voilà. Où est-ce que je pourrais me mettre? Ils sont tous en face, ça fait un peu loin, mais bon. C'est un sniper, non? Ah, il voit pas. Je peux me mettre en vigilance, par contre. J'avancerai un peu plus tout à l'heure. Là, je pourrais me mettre complètement derrière ce mur. J'espère juste qu'il n'y a pas d'extraterrestre par là-bas. Là, ce serait vraiment dommage. On va le faire sprinter jusque là. Ok. Ça, c'est le commando. Lui, il a le shotgun. Je pourrais le faire courir comme un fou jusque là-bas, puis les prendre à revers. Pour être intéressant. Bien reçu, je bouge. Ah ouais, il y en a déjà un là-bas. Il faudrait que je mette un peu plus de puissance de feu par ici. Tant pis, il pourra pas tirer, mais au moins il sera en position. Alors, est-ce que je le fais tirer ou je balance même une grenade, histoire de... Je suis beaucoup trop loin. Et le tir, j'ai 49%. Et c'est la... Ouais. Allez, on va tirer. Raté. Bon, bah mon tour est terminé. Qu'est-ce qu'il nous réserve là? Ouais, il se fait booster, comme d'hab. Je sais pas si je vais réussir à prendre la mêlée là. Oh le salaud, en plein dessus. Il va se mettre à couvert. Vigilance, petit salopard. On a du mal à distinguer les parties organiques des éléments mécaniques qui ont été rajoutés. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne remportera pas de concours de... Ah, ah bah tu vois, Marquis, c'est utile la vigilance. Alors... Mais là, je pense que j'ai eu du bol. Là, je sais pas, ça sent pas trop bien bon tout ça. Si je me mets là, je suis toujours à couvert. J'en ai deux, deux que je peux tirer. Un. Je vais me concentrer sur eux parce qu'ils sont quand même plus puissants. Décidément. Puis là, avec le snipe, j'ai personne. Si je me mets là en vigilance, ça pourrait être intéressant. Toi, qu'est-ce que tu peux nous faire? 50% et c'est tout. Un coup de grenade. Non, pas de vigilance, pas de vigilance, je voulais la grenade. C'est trop loin. Et puis là, qu'est-ce que j'arrive à faire? Rien du tout. Ça c'est en haut. Ah, je voulais voir si... Ah, je peux jeter la grenade là peut-être. Elle rebondit en haut. Ah, j'arrive pas à la jeter là. Tirami, non. Non, 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 annulé. C'est vrai, j'avais pas vu que ça rebondissait. Mais là, est-ce que ça rebondit en haut? Attendez voir. Ouais, j'ai l'impression que ça rebondit en haut, je vais pas me la tenter. Je vais me garder ça. Alors, tire. Tant pis, on y va. Ouf, je l'ai eu, ouais. Alors lui, il est en vigilance, le petit coquin.
Si je sprint, sur lui, il risque de me défoncer. Et puis là, ouais, bon, je peux tirer, mais ça va. Il y a pas mal de dispersion. Je sais pas si je vais beaucoup le blesser. Allons-y. Ouais, en plus, je loupe. Là, je peux encore tirer. 55%. On y va. Eh bien, c'est ça, la recrue en plus. Oh, mais c'est pas possible. Comme ça charme dessus. Il se met en... Ah, le salaud. Ah, il loupe. À bout portant. Ah, allez, vas-y. Ma petite snipeuse, tu le loupes pas. Voilà, nickel. Elle a bien fait son job, là. 2 sur 2, 100%. Par contre, là, je suis un peu inquiet pour Fofana, là. Elle est bien, elle a pas paniqué, hein, c'est son premier combat. On va déjà essayer de se débarrasser, là, de notre ami. Je vais me foutre à bout portant. Et puis, on va l'allumer. 100%. Bon, ça, c'est un coup de commando. Bon, Fofana, toi... Toi, tu vas te mettre bien à couvert ici, là-bas. Compris, j'y vais. Ah voilà, j'ai cru qu'elle allait aller en haut. J'ai bien envie d'envoyer un coup de missile. Non. D'ailleurs, faudrait, après, il faudrait que je recharge. Hein. 29%, ça vaut pas la peine. Ouais, non, on va faire un tir de roquette. On fout. J'ai envie d'aller pour la mêlée après. Waouh. Ah ouais, on va déjà placer le sniper en vigilance ici. Et toi, tu vas me sprinter jusque là-bas. Donc il y a encore des bébêtes. Puis il y a encore en fait l'OVNI en tant que tel. Alors, on va prendre la mêlée. Bien compris. Cool. Ça, c'est fait. Alors, sniper. Je sais pas trop encore où le repositionner. Déjà, on va avancer par ici. À couvert, pas faire trop le fou. Ok. Vigilance, on sait jamais. Et toi, tu vas venir là. Aussi en vigilance. Alors, mon petit Carlitos. Sprinter le long du mur. Ah, peut-être que j'aurais dû... Il faut peut-être sûrement monter, en fait. Attendez, voir, je peux pas regarder plus haut, là. Il se passe quoi, non? On dirait pas. Bah, peut-être qu'il y a des extraterrestres, j'en sais rien. On va mettre le snipe là-bas. En vigilance, toujours. Faut pas que j'oublie de recharger aussi. J'avance. Alors là, on va peut-être entendre du bruit qui va nous orienter. Hein? C'est quoi ça? C'était quoi ce machin? J'avais encore jamais vu ça. J'y vais tout de suite. Allez, on va aller se mettre contre le mur. Ah ouais, là, l'OVNI est là. C'est donc bien là qu'il faut aller. On va rapatrier tout le monde. Toi, tu vas me sprinter jusque là. Peut-être un peu à découvert là. Plutôt comme ça. Bien reçu, je bouge. Toi, viens là-bas. Compris, j'y vais. Viens par là. J'y suis déjà. Va falloir que je recharge un peu les armes de tout le monde aussi. Tout de suite. Pour mieux le faire plutôt qu'en plein combat, évidemment.
Ça utilise une action. Ah, j'aimerais pas perdre Fofana, elle a bien joué. Ah, c'est par là. C'était quoi ce bruit? Alors, notre ennemi snipeuse. Si je la mets jusque là, en vigilance. Elle est à découverte, certes, mais... elle tirera de loin. Si on avance jusque là. Voilà ce qu'on cherchait. Ok, vigilance. Ah, d'accord, la mêlée, elle est là. On va balancer notre commando par là. On va essayer de se retenir de ne pas balancer toute la purée. C'est-à-dire avec le lance-roquette. Histoire de récupérer un max de trucs. Allez, Carlitos. Ah, mais il faut que je recharge les munes, j'ai oublié. Il faut que je le fasse maintenant. Faut que je le fasse maintenant. Donc rechargement. Enfin, ça utilise même toutes mes actions. Hein. J'y vais tout de suite. Snipe là. Pas besoin de recharger. Ouais, je pourrais m'avancer un peu jusque là. On va un peu mieux positionner tout ce petit monde. Je confirme la position. Allez Fofana, tu avances là en vigilance. Ensuite. Là là. J'avance. Personne. Bon. Ah là, personne se montre. Alors snipe. Là, il devrait y avoir un bon angle. Ouais, on va rester là. Là, je vais d'abord faire avancer Carlito. Il n'y a rien à couvert là. Il faut que je sprinte jusque là-bas. Bien reçu, je bouge. Ah, d'accord, il y a des fenêtres partout. On n'oublie pas la vigilance. Bon. Ah, mais la mêlée, c'est déjà fini ou quoi? Mêlée perdue, fait chier. J'avais pas vu qu'il y avait aussi peu de temps. 5 sur 5. Revenir par là-bas. Et Fofana. Ici. Ouais, c'est toujours par là-bas. Nous ne sommes pas seuls. Allez, bouge. Tout d'à contre. Snipe, snipe, snipe. On va le faire aller jusque là. Toi, contre la porte aussi. Puis on va essayer d'amener les deux autres en vigilance pour couvrir au cas où quelqu'un fait éruption. Bien, commandant. Bien qu'il soit à découvert. Ouais bon, avec le shotgun c'est pas terrible non plus. Hein. Peut-être pas super ça. Enfin bon, il y a relativement peu de risques. Allez Fofana, là elle peut toujours être en vigilance et on la laisse quand même un peu à couvert. Des fois qu'il y a encore pas de bol. Ok. Alors, snipe, est-ce que je peux remettre ça un peu mieux? Ici, pourquoi pas? Bon, on est vraiment à l'intérieur, c'est pas là où c'est le plus utile. Ensuite, Hernandez, on va le mettre droit devant. Ensuite, Fofana. Fofana, Fofana. On va la mettre derrière là, à la suite. Non, je vais le mettre plus à couvert. Je le sens pas. Je sens pas. Ah, je peux plus, merde. Bon. Et puis il va falloir rentrer. On peut attaquer.
Vas-y. C'était propre. Bon. Une autre opération réussie avec brio. Plutôt pas mal. Deux conteneurs récupérés. J'ai perdu... Non, un conteneur sur deux. C'est pour ça que c'est seulement bien et pas très bien ou excellent. Bon, cool. On va passer ça. Hein, on connaît. Ah oui, par contre, Fofana, je pense qu'elle va passer du temps à l'infirmerie. Hein. Gravement blessé, ouais, 17 jours. Soldat Fofana. Ah bah voilà, ça va être une bourrinos. Bah elle, ouais. On pourrait lui trouver un petit surnom si elle survit. Caporal pour Aniu. Ok, elle est sapeur. Avant, je disais soutien pour le grenadier, mais c'est plutôt les sapeurs, finalement. Sprinter, 3K supplémentaires et tir de couverture. Ouais. Ouais, j'hésite. Mais c'est pas mal, ça aussi, tir réflexe. Allez, on va prendre ça. Voilà, tout le monde est là. Donc, j'en ai 5 de spécialisés, maintenant. Il faudra que je mette des bleus à la prochaine mission. 4 ordinateurs de vol, des sources d'énergie endommagées, certes, des fragments d'armes, des cadavres de sectoïdes. Nouvelle recherche disponible. Ok. Bah très bien. Je vais juste en profiter pour faire une sauvegarde de la partie. On sait jamais. Parce que l'autre jour j'ai eu un crash, là ça m'embêterait de tout recommencer, vu que la mission était plutôt pas mal réussie. C'est très français, je suis d'accord avec vous. Arme à rayon et ascenseur, on va avancer un jour, arme à rayon, pour lancer une nouvelle recherche, parce que vous me voyez venir, on va arrêter l'épisode là, ça fera une petite vingtaine de minutes. On verra par la suite si je fais des résumés de missions, parce que sinon la série va durer vraiment très longtemps. Ou en tout cas des montages de missions. Peut-être pas laisser tout de A à Z, seulement s'il y a des choses vraiment intéressantes. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Pistolet laser, ok. Et puis ça, le fusil laser, ça j'aime bien. Parce qu'il n'y a pas de problème de munitions. Arme laser lourde, laser de précision. Ah ouais, pour mon sniper, ça... Pigard expérimental, notre compréhension de la technologie est encore... Ouais. Les carapaces, c'est bien aussi. 14 jours, c'est de long, normal. Autopsie de planeur. Moi, je veux le laser. Enfin, le fusil laser de précision. Production. Je peux pas... Ah, j'ai pas assez d'ingénieurs, décidément. Décidément. Encore un jour pour les excavations. Ok, on va avancer un petit peu, comme ça vous voyez comment ça se passe, ou comment je vais faire plutôt, parce que je pense que vous connaissez le jeu pour la plupart. Des enlèvements. Alors, à Marseille, modéré, nouvel employé, un sniper. Ok. Difficile, 4 ingénieurs, ouais. Modéré, 200. Je crois que je vais prendre l'Inde. Je vais prendre l'Inde parce qu'il me faut des ingénieurs pour avancer. C'est difficile. On confirme. Alors, écoutez, on va s'arrêter là. Ça fait le suspense pour une mission difficile en Inde qui nous permettra d'avoir 4 ingénieurs et puis de développer nos installations, notamment cybernétiques, d'avoir une meilleure couverture satellite via de nouveaux centres de liaison. Nos petits soldats commencent à bien se débrouiller. Pour certains, je retrouve 2-3 petits automatismes que j'avais avant. Il y a d'autres manières de faire, je suis d'accord. Enfin, en tout cas, celle-ci, c'est la mienne. J'espère que ça vous aura plu. C'était DRK36 sur XCOM. Je dis plus la suite, on est d'accord. À très bientôt. Ciao.